Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie d'attaque qui s'est terminée très rapidement en exactement 18 coups. Donc j'avais les noirs et pour une fois j'ai réussi à jouer une partie longue face à un joueur relativement fort, hein, donc un joueur 1900 sur League Chess, et donc j'ai pu jouer une partie de 40 minutes chacun. Donc effectivement, comme vous vous en doutez, la partie n'a pas duré 40 minutes. Mais c'était très sympa parce que c'est très rare que j'arrive à retrouver mon niveau de jeu, tout simplement parce que bon bah, forcément je fais plus de parties longues, etc. Donc j'ai parfois pas mal de difficultés à rentrer dans les variantes, surtout à un niveau à partir de 2100-2200 FIDE. Hein. Je parle de l'elo réel. J'ai du mal à, sur les parties un peu longues parce que bah forcément les joueurs eux ils passent leur temps à jouer, hein, ils jouent au moins une partie par semaine, ils lisent des bouquins, ils font des combinaisons, moi j'ai beaucoup moins de temps pour le faire et je passe beaucoup de temps à faire ma chaîne YouTube, ce qui me laisse moins de temps finalement pour m'entraîner, hein, tout simplement. Donc c'est rare que j'arrive à retrouver mon niveau de jeu. Et dans cette partie j'ai retrouvé des sensations, j'ai réussi à bien calculer et j'étais particulièrement content de moi. Sur cette partie lente parce que j'ai joué je pense quasiment 100% des premiers coups de l'ordinateur sur 18 coups, quasiment je dis parce que j'ai fait exprès d'intervertir des coups. Bon là l'ouverture je la connaissais, je l'avais déjà étudiée, mais quoi qu'il en soit vous allez voir qu'après j'arrive à très très bien négocier la fin de partie et c'est une partie vraiment intéressante pour vous, donc c'est pour ça que je vous la montre parce qu'elle va rentrer dans la catégorie des parties d'attaque, hein, donc 18 coups c'est quand même vraiment très expéditif. Donc je joue face à Mansour. Donc c'est joué, c'est lui qui a les blancs et donc il ouvre avec E4, donc j'opte pour une sicilienne, hein. Vous savez que les siciliennes sont des parties tactiques, enfin sauf dans la variante qui va me jouer qui est une variante que je déteste personnellement, mais enfin sinon c'est une partie tactique et c'est vrai que face à un joueur moins fort, c'est logique d'ouvrir le jeu et d'essayer d'avoir des opportunités tactiques. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4, mon dieu comme ce coup est horrible. E6, petit roc, fou E7, alors là voilà, c'est ce que je vous dis, je joue les premiers coups de l'ordinateur, mais là j'intervertis des coups, bon alors ça je le connais par cœur, évidemment on est au quatrième coup, mais après avoir passé pas mal de temps à analyser cette ouverture, et après avoir passé pas mal de temps à jouer cavalier F6 et à m'embêter avec cavalier F6, l'idée c'est simplement que la tour va venir en E1, je vais vous montrer. La tour va venir en E1 exercer la pression voilà, qui est classique dans cette position. Donc plutôt que de jouer cavalier F6 tout de suite, je préfère jouer d'abord fou E7, simplement pour sortir des sentiers battus. Et je m'attendais à un coup comme E5 par exemple, qu'il aurait pu jouer, mais bon, effectivement c'est pas un bon coup, mais ça aurait été. C'était une question que je lui posais, hein, simplement. C'était pas un piège, hein. C'était pas un piège, c'était vraiment une question que je lui posais. Et donc fou E7 C3 qui pour moi est un très très bien, hein. C3 il a totalement compris l'idée, hein, qui est de jouer D4, bon, c'est pas une nouveauté théorique effectivement, hein. Cela dit sur C3 c'est vrai que j'ai la possibilité, je pense, hein, de prendre quand même un petit avantage, vous allez voir. Il n'y a pas d'avantage tout de suite, mais j'ai la possibilité de lui poser des questions de plus en plus précises. Et pour un joueur ben, autour de 1900, c'est problématique, vous allez voir. Donc, D5, pion prend, et fou B5. Alors là, dame C7, probablement, est le meilleur coup. Hein. Pourquoi? Parce que toujours cette histoire, hein, comme dans la carocane ou dans beaucoup d'ouvertures que j'ai pu vous montrer, vous avez vu que fou F4, c'est un classique. Et donc, pour prendre la diagonale, et donc, ben, dame C7, simplement, bon, ben, ça part à pas mal de menaces. Ça part cavalier E5, ça part fou prend C6, et ça part après D4 fou F4. Donc c'est clairement le coup le plus précis de la position, et là je pense que c'est clair. Je veux dire, là, en tout cas sur cette idée là, hein. Après bon, il y a peut-être d'autres idées qu'on peut développer dans cette position, mais bon là, ça sera pas de mon niveau en tout cas. Quoi qu'il en soit, je joue pas tout de suite dame B6, je joue cavalier F6, et oui, il faut que je roque assez vite, j'ai interverti forcément, j'ai joué fou E7 d'abord. Donc D3, alors là par contre je... Fou B5 déjà j'étais pas d'accord. Honnêtement je pense que fou B3 était clairement meilleur pour venir en C2 après. On va refaire une espèce d'espagnol avec D4 plus tard, dame C2. Enfin fou, le fou qui va taper avec la dame en C2 qui pourra peut-être venir plus tard.
Voilà, c'est ce genre d'idée-là que je pensais. Fou B5, bon, c'est le coup typique d'amateur, mais honnêtement, je le comprends pas trop non plus. Cavalier F6, c'est pour ça que je joue cavalier F6, donc voilà, je protège tout et je prépare le petit roque. D3, pardon, D3. Petit roque, D3, c'est une erreur. Là, clairement, je le dis, D3. Dans cette position-là, à la limite, la seule possibilité pour les blancs de retrouver du jeu, c'est de s'activer avec D4 et de me poser une question, parce que sur D4, il y a la menace de prise en C5, et le problème c'est que j'aurais un pion en D5 qui serait une vraie faiblesse et très compliqué à pousser dans de bonnes conditions, hein, parce qu'il y a déjà pas mal de pièces qui protègent. Non, franchement, il m'a pas posé les bonnes questions, c'est sûr. D3, ici c'est insuffisant, petit roque est joué. Alors là, fou F4, c'était clairement le coup à jouer. Fou F4, j'avais analysé dame B6, fou prend, pion prend, B3 éventuellement, et bon, avec une position qui était. Totalement logique, je pense. Il joue une énorme erreur positionnelle. Il joue H3. Pour empêcher fou G4, certes. Fou G4 qui clouait la dame. Donc c'est pour empêcher ce coup-là. Mais dans cette position, quel intérêt, j'ai envie de dire, de jouer H3. Quel intérêt même pour moi de jouer fou G4? C'est pas l'idée première. Enfin, en tout cas, ou alors j'ai mal compris la position, mais. Pour moi, fou G4, c'était d'ailleurs pas si dramatique que ça parce qu'il n'y avait pas de problème au centre, etc. Enfin, je pense quand même qu'il y a une erreur positionnelle là derrière sur H3. Donc, dame B6. Donc, question, hein, prise ici, prise pression exercée sur B2. Si jamais le fou bouge, par exemple, s'il vient ici, la dame pourrait prendre ce pion. Donc, question qui est posée, alors fou prend. J'aurais pu faire dame prend, mais je fais pion prend. Je fais pion prend, parce que tout simplement, je ramène un pion vers le centre déjà de 1. Je pourrais, je pense, assez rapidement exploiter la poussée des pions et donc dédoubler. En tout cas, ouais, je pense pouvoir dédoubler. Et surtout, je vais pouvoir attaquer. Menacer une ouverture de colonne avec tour B8, A5, A4, A3, etc. Donc voilà, c'est clairement l'idée de ce type de position. Encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il me joue B3. Et là, je commets une erreur. Ah oui, bah tiens. Oui, c'est pas 100% des premiers coups, donc du coup, je commets une petite imprécision. C'est pas une erreur, hein, c'est également un coup donné par l'ordinateur, mais en 5 ou 6ème position, je crois. Je joue fou E6. Fou E6 qui est très très régulier dans ce type de position, hein. Mais c'est régulier, mais c'est pas bon. Donc fou E6. Le problème de fou E6, c'est que en fait, je pouvais développer le fou sur une case un peu plus forte, la case F5. Et d'ailleurs, on va voir que ça va être déterminant dans la partie, cette fameuse case F5, parce que bon, il y a une pression sur le pion déjà, et puis bon, derrière, il y a une belle diagonale quand même pour le fou. Alors bon, moi ce que j'avais vu, je vais vous dire honnêtement, hein, il y a pas mal d'idées. Fou F5, bon, il y avait éventuellement la possibilité de jouer cavalier H4 qui était insuffisant pour moi parce que là j'aurais pu revenir en E6, à mon sens, et je gagnais le temps en plaçant bien le fou, alors que lui devait reperdre un temps pour remettre son cavalier en place et pour après activer la tour ou faire autre chose. Donc pour moi, cavalier H4 c'est une erreur positionnelle sur fou F5. Donc bon, j'aurais certainement pu jouer fou F5, je voulais pas. Disons que j'aime bien poser des questions à l'adversaire et ne pas trop montrer ce que je veux faire et où je vais taper. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai joué plutôt fou E6, qui est un peu plus timide, on va dire, que fou F5 directement. Et d'ailleurs, la partie va me donner raison parce que bah, vous allez voir que je vais réussir à lui rentrer dedans finalement là où peut-être il l'attend pas ou peut-être il s'y attend le moins. Enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant de ne pas montrer ses intentions à l'adversaire quand même. Que ça soit aux échecs, à la boxe, au foot ou dans n'importe quel sport. Donc finalement c'est pas trop en accord peut-être avec la théorie de la position, mais c'est plus en accord avec l'esprit sportif de la compétition. Fou B2 est joué. Et alors là, bon bah on a le plan évident, hein. Le fou est mal placé. Très mal placé. Il y a la dame qui pourrait l'attaquer, donc bon bah A5, hein, c'est vraiment le coup évident. Tour E1. Et alors là par contre ce coup, le coup que je vais jouer, est un coup je pense positionnellement très très beau.
Bon, on voit beaucoup de joueurs qui jouent très bien tactiquement, machin, bon, qui arrivent à prendre l'avantage tactiquement et à gagner tactiquement, mais des coups positionnels à un niveau amateur, c'est rare et c'est d'autant plus appréciable. Et là, il y en a un qui est très beau. Alors, quelle est l'idée? Dans cette position, elle est simple, hein, très, très simple. Elle est que mon fou en E7 serait mieux placé en F6. Il serait mieux placé, c'est une évidence. Il aurait une belle diagonale, il taperait sur la tour avec les possibilités de jouer plus tard à 4, etc. Donc ça serait vraiment bien de jouer fou F6. D'un autre côté, je veux empêcher le cavalier blanc d'accéder sur la case E5. Case E5, c'est pas Nigel Short qui dirait le contraire. Il estime, Nigel Short, que. Enfin, il estime, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, que si on peut placer un cavalier sur E5 dans de bonnes conditions, après il y a des coups comme F4, comme D4 qui peuvent arriver, et les blancs prennent de l'espace. Et finalement, bon, c'est pas forcément un avantage énorme, hein, mais c'est une possibilité. Il y a une possibilité. Et ben clairement, je vais essayer de retirer cette possibilité, donc je vais jouer sur les deux tableaux. Pouvoir activer mon fou noir sur F6 et pouvoir empêcher cavalier E5 dans de bonnes conditions. Donc je vais jouer cavalier D7. C'est un coup qui paraît complètement absurde. Là, si un amateur qui a rien calculé voit cavalier D7, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce coup? Et pourtant, c'est, je pense, vraiment dans l'esprit de la position. Donc, cavalier BD2. Bon, alors là, je joue maintenant, je vais jouer tous les premiers coups de l'ordinateur, mais c'est pas difficile. Bon, on voit que l'attaque est très très forte sur l'aile dame, donc il n'y a qu'à l'exploiter. Hein. A4. C4. Je dis pas que c'est une erreur, C4. Mais pour moi, je suis d'ores et déjà gagnant. Là, pour moi, j'ai d'ores et déjà un avantage très très sérieux. Donc là, A3, pion passé de réserve. Alors attention, un pion passé de réserve, il faut pouvoir ouvrir. Donc c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dégager le pion A2 pour pouvoir passer en finale. Sinon, le pion A3, il sert à rien. Mais dans cette position, j'ai la paire de fous. Et donc positionnellement, j'estime qu'avoir un pion passé de réserve, c'est un avantage ici énorme. En plus de la paire de fous, du fou qui va pouvoir s'activer. Sur gain de temps, vous allez le voir, parce que fou C1 est forcé. Alors bon, fou C3, mon adversaire le voit, il y a tout simplement la poussée en D4. Derrière, je n'ai pas vu à vitesse réelle, enfin en partie, j'ai pas vu possibilité de s'échapper ou de jouer avec des contre-jeux. Même cavalier prend ne va pas, parce que de toute façon, il y a la dame hein, qui protège. Donc là, c'est perdu. Très bien, donc on va revenir un petit peu en arrière. Donc sur A3, fou C1 est forcé. Et là, c'est moi qui gagne de l'espace et qui peut activer mes pièces avec gain de temps. Fou F6, bon alors le seul coup c'est tour B1, hein, j'en vois pas d'autre. Ça doit pas être très bon. Je vois pas d'autre coup. Donc tour B1. Et alors là je vais jouer un coup. Et quand j'ai lancé l'analyse avec Stockfish, il me disait avantage de 0,40, entre 0,40 et 0,45 en gros. Et après le coup que je vais jouer, au bout d'un petit moment, il va donner avantage de 0,80. Parce que c'est un coup purement humain. C'est un coup vraiment que la machine, elle ne peut pas comprendre au premier abord. Mais c'est vrai que c'est un coup qui va être stratégique, positionnel. Et en tout cas, moi, avec ma configuration, il y a pas mal de coups qui étaient retenus ici. Mais le coup que je vais jouer ne l'était pas. Alors que c'est vraiment le coup d'attaque humain par excellence, quoi. C'est fou F5. Fou F5 ici. Donc, je pense le meilleur coup. Hein. Là, par contre, je pense que c'est vraiment le meilleur coup. Alors non seulement parce que ça attaque le pion, mais c'est pas le plus important, il faut voir plus loin aux échecs. Hein. C'est comme en mathématiques, il faut toujours essayer de voir plus loin. Et donc c'est pas parce que ça attaque le pion, mais c'est parce que clairement, il y a des idées très 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 intéressantes ici, parce qu'il y a le pion qui peut passer. Alors je vous donne un exemple tout simple de variante que j'avais pu calculer. Alors comment j'avais vu ça? Sur Dame 2, non, ça marche pas dans cette condition-là parce qu'il y a le cavalier en D2. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que vous allez voir après cavalier F1, là il va y avoir des idées très intéressantes. Ok, là-dessus je fais pion prend, bon forcément ça gagne en ligne,
Mais qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu qu'il y avait même des possibilités dans certaines variantes. Bon, je me rappelle plus exactement les variantes, elles étaient longues et compliquées, mais où je pouvais faire d'impro carrément. Parce que la tour prenait, alors je sais plus dans quelles conditions exactement, hein, je vous avoue. Je crois qu'il y avait un échange ici, si les blancs faisaient autre chose, j'avais la possibilité de faire pion prend, et sur tour prend de faire dame prend, donc si la dame n'est pas là, hein, imaginons que la dame soit en E2, et sur pion prend, j'avais la poussée. Et sur la poussée, en fait, après, derrière, je gagne en ligne, quoi. C'est ce que je récupère. Enfin, voilà, c'était ça. Je récupère au moins du matériel. Donc, c'était ça l'idée. En l'occurrence, je récupérais. Ah, je pense plus avec tour E2, il me semble. Parce que la dame était là. J'ai récupéré la dame, en fait. Voilà, donc c'était une variante très compliquée. Je vous avoue que je me rappelle plus trop et j'ai pas envie de me casser la tête. Maintenant, je suis vraiment désolé, mais je sais même plus si c'était exactement à cet endroit-là ou pas. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, bon, il y a cette idée-là, quoi, qui est très intéressante. Évidemment, la tour, elle n'est pas protégée, hein, juste par le cavalier, mais après le coup cavalier F1 qui va être joué, elle ne sera plus protégée. Et donc vous allez voir qu'il va y avoir un gain direct, hein. Cavalier F1, et là, franchement, c'est très facile à gagner. Alors l'ordinateur me disait dame C2. Dame B8, wow. Cavalier F1, fou G6, bon, etc. quoi. Avec quand même une partie très avantageuse pour les noirs, on le voit. Partie très avantageuse, on essaie de garder la paire de fous, etc. Ouais. Je pense que c'était pas mal. Mais clairement, après fou F5, cavalier F1, donc pour protéger le pion avec la dame, c'est encore une fois, c'est dommage de jouer des coups par coup. Il faut essayer d'avoir un plan, essayer de comprendre la position, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, effectivement, bah, il y a tout simplement la prise. D prend C4 et mon adversaire abandonne, tout simplement. Qu'est-ce qu'il peut jouer? D prend C4, alors sur pion prend, si c'est le pion B qui prend, dame prend tour. Si c'est le pion D qui prend, ben il y a fou prend. Peut-être dame prend de cavalier, mais bon, ça change pas grand-chose ici. J'ai le pion, il va. Voilà, il va vraiment clairement passer à dame. Et être promu. Il va passer, pardon, et être promu en dame. Donc enfin en dame ou autre chose, on verra bien à ce moment-là, mais voilà, c'était ça l'idée. Donc bon bah concrètement c'était pas possible quoi. Donc sur D prend, mon adversaire voit que bah, c'est terminé quoi. Surtout que là j'ai joué le début de partie sans commettre quasiment sans commettre d'erreur. D'ailleurs vous pouvez voir que sur la partie j'ai fait 0 imprécision selon l'ordinateur, 0 erreur et 0 gaffe. Donc mon adversaire n'a fait qu'une erreur, apparemment. Et ça a suffi, ben, c'était ce fameux cavalier F1, et ça a suffi pour me laisser prendre l'avantage. Alors je rappelle que ce qui différencie un fort joueur d'un joueur un peu moins fort, etc., hein, et graduellement c'est comme ça, c'est que un joueur un peu plus fort qu'un autre, eh bien, il va faire un peu moins d'erreurs, mais surtout, il va être capable d'exploiter une erreur un petit peu plus faible de l'adversaire. Et on voit parfaitement ce type de jeu avec Magnus Carlsen, qui arrive à exploiter n'importe quelle position, pourvu qu'il ait un petit avantage, il arrive à rendre la partie totalement infernale pour son adversaire derrière, et à l'harceler jusqu'à finalement obtenir qu'il craque, hein. La plupart du temps c'est ce qui se passe, parce que bon, bah, les attaques répétées dans tous les sens, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment on n'arrive plus à faire face et on craque et on perd, forcément, enfin c'est très probable en tout cas, hein. Donc voilà, c'est toujours ça, le jeu d'échecs, c'est un combat contre l'erreur. Et il faut essayer de faire moins d'erreurs que l'adversaire, et surtout mieux comprendre les positions, et réussir à exploiter donc une position qui soit un petit peu, comment dire, un petit peu plus difficile à exploiter que la position que pourrait exploiter votre adversaire. Et c'est logique, parce que si votre adversaire joue des coups un peu imprécis, c'est parce qu'il ne voit pas la réfutation. Et si vous êtes plus fort, vous êtes censé la voir. Voilà, donc on arrive au terme de cette partie d'attaque. Alors là, vous avez vu, je pense que j'ai vraiment fait des efforts pour jouer correctement cette partie. J'espère y être parvenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu tirer l'enseignement donc déjà du pion passé de réserve, puis de la paire de fous, hein, qu'on voit que j'ai réussi à activer, avec le coup stratégique vraiment très important. Pour moi, c'est le coup de la partie. Sur tour E1, cavalier D7, c'est vraiment très très fort. C'est bien parce que c'est un coup qui est rarement joué. On voit rarement des coups genre cavalier D7 dans ce type de position. C'est vraiment
C'est vraiment rare, quoi. En tout cas au niveau amateur, c'est très très rare. Donc c'est toujours bien d'innover et j'essaie le plus possible en partie, et souvent même au détriment de l'avantage que je peux avoir, ou même au détriment même de ma partie, donc c'est-à-dire que l'adversaire peut prendre l'avantage. Mais j'aime créer, j'aime vraiment, je suis un joueur créatif et j'aime créer des trucs, et je préfère jouer comment dire, des belles parties avec des coups qui soient beaux, comme celui-là, cavalier D7, c'est vraiment un beau coup positionnel, plutôt que de jouer une partie où je vais suivre seulement les idées reçues, tour B8 par exemple, A5 A4, etc. Je préfère jouer vraiment en essayant d'apporter une espèce de touche esthétique à la partie. Et c'est pour ça que des fois je fais des erreurs, c'est parce que je suis toujours à la recherche de ce petit plus, pour moi, qui égaye un petit peu le jeu, parce que bon, c'est vrai que le jeu d'échecs c'est un jeu quand même relativement scientifique, avec pas mal d'idées, on peut dire, ouais, de calcul, hein, donc purement mathématiques, et c'est bien d'apporter aussi un élément un petit peu différent, un petit peu plus poétique peut-être, et donc c'est pour ça que j'adore jouer ce type de coups, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui donnent tout son charme au jeu d'échecs. Voilà, donc cette vidéo arrive vraiment à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.